sympa aussi à essayer. Clio RS. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour, qui connaît très bien le speech, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, Peugeot 208. Exact. On a essayé de faire juste un peu de bruit avant, mais juste à l'arrêt pour faire des plans d'intro. J'ai jamais entendu ça. C'est un bordel, les gars. Oh mon dieu! En plus, c'est d'origine, hein? C'est ça? Ouais, c'est d'origine. Donc voilà, aujourd'hui, Ford Focus RS de quelle année? 2017. Donc 2 litres, 3, 4 cylindres, 350 bourrins. Frein Brembo, jantes, allez, de tête comme ça, sans regarder, 19 pouces. Je regarde pas Cars, mais je suis fan d'automobile, mon pote. Hein. Okay, ciao! C'est claqué ça. Ce genre de voiture que tu n'as pas vraiment besoin de présenter, on les connaît hein, honnêtement. Tout est d'origine surtout. Ne me dites pas que les gens ne sont pas d'origine, l'aileron n'est pas d'origine. Tout est d'origine sur cette voiture, ok? Manuel, bien entendu, parce que on est dans les américaines. C'est vraiment typique, je trouve, des voitures américaines justement. On n'en voit peut-être pas beaucoup en Europe. En tout cas, en Suisse, je trouve, c'est une âme américaine un petit peu. C'est très... c'est lourd, tu vois, dedans, c'est très plastique, etc. Après, tout réside dans cette voiture, dans le moteur. Vraiment, c'est le moteur, l'échappement, l'efficacité, le fait que tu peux aller sur quand même circuit avec. Sur la neige, c'est très efficace. Donc c'est vraiment là-dedans que réside l'âme de cette bagnole. Et je dirais que les gros concurrents de cette voiture, c'est quoi? C'est des RS3. La V. Ouais, exactement. Ouais, celle-ci. Chez BM, j'aurais dit M2, mais c'est trop puissant. Et puis elle pèse quoi? Une tonne 6. C'est pas mal. Hein. En dehors ça, il y a quelques petits stickers sur la voiture. Hein. C'est mignon, c'est chou. Surtout de préciser que tu as 350 bourrins dans la voiture. En général, ça calme sans que tu aies besoin d'accélérer sur la voiture. Tu vois, c'est non négligeable, n'est-ce pas? Ouais, elle est magnifique. Et puis c'est vrai, comme on disait avant avec Kevin, on voit beaucoup plus des couleurs bleues sur ces Ford Focus RS. Forcément, tu vois. Donc le blanc, ça se détache un petit peu de ce que tu as l'habitude de voir. Ça, c'est magique, ça. Ça me fait penser vraiment au diffuseur de F1, évidemment, c'est le frein hein, qui fait la lumière. Enfin, les échappements sont d'origine. Cet aileron ici, qui est également d'origine, avec les annotations RS. Un peu partout, au moins on est certain que c'est une RS. La face avant elle est top. Ouais, toi t'aimes bien, hein. T'aimes bien la face avant. Non, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Mais en plus, je sais pas pourquoi dans la marque Ford, les Focus, c'est un peu. C'était un peu le mouton noir de la marque. Ah ouais, pourquoi elles sont grave concentrées. Mais en fait, elles sont mal. Quoi? Elles sont grave concentrées. Ford Focus. Il y a personne qui les prend en compte, tu vois, les Focus RS en fait. Les conducteurs de Ford en général, ils achètent Ford pas pour ça, tu vois. Donc quand tu veux un truc sportif, en général, tu t'orientes vers une autre marque. Mais c'est une gueule d'origine, mec. Ouais, c'est fou, c'est ça. Mec, tout est travaillé, tout est, c'est clair sur ce genre de voiture. T'as vraiment pas à toucher quoi que ce soit. Tout est prêt, tout est magnifique déjà, tu vois. Après, les puristes peuvent éventuellement changer les jantes. Là, c'est les jantes pour l'hiver, donc je suppose en été t'as d'autres jantes. Puis le prix neuf, c'est combien ça? 49 000 francs suisses. Ça va, hein. Sans option, 55 000 avec les options. La plus chère, elle est à 55 000. Full option. J'ai 19 000 balles d'option là-dedans. Et c'est pas le maximum, tu vois. Et on n'est pas chez Audi, tu vois. Donc ça, c'est ouf aussi. Je trouve que le prix est putain de raisonnable quand même. Hein. Bah, tu vas chez Audi, t'as une voiture à 80 000 bases de base. Ouais, avec full option, t'as 110 000, quoi. Bah, la RS3, vu que c'est la concurrente, on peut comparer, tu vois. Bah, c'est 120 000. Bah, c'est 120 000. Mec, tu payes presque 3 fois plus cher une RS3, mais tu te fais presque bouffer par une Ford Focus RS. Alors, 0 à 100 là-dessus, il a combien? 4 secondes 7, le 0 à 100. Ok. Et moi, je suis à 4 secondes 9 avec mon Tiguan. Hein. Ah, bah, tu vois. Bah, il y a 30 chevaux de plus quand même là-dedans. Elle est bien plus aérodynamique. Moi, c'est un mur, mec. Le vent, il regarde ma voiture, il a. Et puis là, t'es beaucoup plus léger. Hein. Bah, t'es plus léger. Moi, je suis à 1 tonne 8, un truc comme ça, je crois. Mais avec moi, on est à 2 tonnes 4. Ouais. Je pourrais vous parler un peu de l'histoire et tout ça, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse sur mes vidéos. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi déjà. Parce que t'es pas historien, genre. Et de deux, je suis pas historien alors que j'adore l'histoire, tu vois. Mais j'estime que tu fais des vidéos. Je l'ai fait à la base justement pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils voient plein de voitures différentes, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Je gaz. C'est-à-dire. Par contre, les sièges baquets, mon ref. Regarde ça. T'as peur. T'entends plus là. S'il vous plaît, tulle. Qu'est-ce que dit là? Tulle. Tulle Sweden, ok. Tulle, ok. Mais par rapport à l'intérieur, alors, tout est sombre, hein, ça c'est cool. T'es avec une meuf, tu te fais pépon. Salut Kevin, ça va? Pardon? Tout est un peu plastifié, etc. Mais à quoi ça sert d'avoir du grand luxe quand tu vas bouffer des culs sur circuit? Ouais. Exactement. Et si le prix est aussi raisonnable, bah ça participe aussi, forcément, tu vois. Ça c'est stylatch. Exactement, ouais, ça c'est pas mal du tout. Pression bas, huile avec les barres. Et les barres, voilà, les barres à tout faire. Hein. Ça t'empêche. Une boîte manuelle, évidemment. Frein à main manuelle, ça c'est cool. Ah ça bon, m'a manqué ça, putain. Évidemment, on va pas faire les cons, c'est pas notre voiture. Vous avez l'habitude de nous voir respecter les voitures, sauf Kevin qui a tendance des fois à faire l'assassin. Mais voilà, on doit faire attention. Ouais, j'ai des extraits, je peux les sortir. Non, non, non. Oh, manuel, ça fait longtemps. Ouh là là. Manuel, c'est mon oncle. Dire, tu vas jamais y arriver, la caméra elle va tomber quand tu vas faire ça. Je la tiens? Enfin, la caméra. Donc en fait, tu peux régler les suspensions sur cette voiture avec ce bouton ici. Tu le maintiens et en fait, il te met les suspensions. Voilà, t'as le mode de conduite, etc. qui s'affiche à cause de Kevin, n'est-ce pas? Et puis voilà, t'as les suspensions sport qui sont actifs. Et puis t'as ici Start and Stop.
Toujours avec le doigt d'honneur, bien sûr. Drive mode. Enlève-moi le mode drift, parce qu'il y a un mode drift là-dessus, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Ouais, mais attends, là, il est en mode sport. Par contre, les gars, on tourne dans des conditions pour vous, mec. Ah ouais, je vous jure, il fait froid et tout, c'est un truc de ouf. Mais bon, après, les gens, au moins, comme ça, ils pourront pas dire qu'on fait que du Cupra. Je conduis une manuelle. Par contre, elle est... Ouais, elle est full red. En vrai, j'aimerais bien voir après full confort, genre. Ouais, on peut essayer. Ah ouais, putain, les suspensions, t'avais raison, Bastien. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je t'ai dit, c'est hyper raide. Hey, mais mec. Du coup, maintenant qu'on est en Ford... On voit que des Ford. On voit que des Ford. Alors, excusez-moi pour les à-coups, hein, je dois m'habituer à la manuelle encore. Ouais, ok, d'accord. Wow, les suspensions, c'est un truc de fou, mec. On va essayer le mode... Il n'arrive pas à filmer. Mode normal. Ah ouais, non, on sent la diff quand même, là. Oh, ouais. Bah, ça reste raide quand même, ça reste une voiture presque rallye, mon gars. T'as peut-être 5% de moins de rigidité, genre. Ah, plus. Le mec, il y a tout qui est rigide de base, tu vois, mais forcément, je trouve... Non, je trouve, franchement, il y a une diff. L'embrayage, ouais, faut s'y habituer. Faut s'y habituer, c'est raide, hein. Raide comme ma bite. Je sens qu'elle en a sous le capot, hein. Genre 350 chevaux. Par exemple, toi. Bastien, il doit dire plus jamais je prête une case à ces mecs. Il dit que de la merde, ce mec. Il dit n'importe quoi, le grand là. Ah ouais, non, là, j'ai des retours, frère. C'est rare que je dise ce mot, mais c'est fantastique. Very good, hein. J'aurais jamais pensé dire ça d'une Ford Focus RS, mais clairement c'est parce que je l'ai jamais essayé en fait. Là je l'essaye et t'as de l'émotion quand tu conduis vraiment cette voiture. Tu regardes une, bah, la mienne par exemple, tu vois, elle a pas autant de charme que ça. Ah ouais. Ma Tesla bleue là, shot bleu comme tu dis. Chier de... Il est prêt le propriétaire? Magnifique. Ça marche. Putain. Ok, alors je vois la diff, si tu compares un petit peu par rapport à bah, ton RS3, bon RS3 c'est pas comparable mais... Bah le truc c'est que moi c'était en DSG donc... Déjà ouais c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que par rapport à la boîte tu sens bah, le temps de réaction forcément. Bah après moi j'ai plus l'habitude donc je mets 20 secondes pour changer de vitesse tu vois. Bastien lui quand il conduit à mon avis si tu l'énerves un peu, à mon avis il te bouffe tu vois. Mais par contre ouais c'est ça, c'est que ça apporte pas ce dynamisme mais tu t'en fous parce que le plaisir est là à chaque passage de vitesse, c'est un truc de ouf. Je suis trop content de conduire cette voiture, je te jure mec. Stylé hein. La dernière fois que j'ai ressenti ça, bah, c'était dans la Huracan. Non vraiment j'ai senti un plaisir dans la Huracan que je retrouve pas dans toutes les voitures parce que je suis un putain de mec difficile avec les voitures tu vois. Bah là je le retrouve un peu. Moi j'aime bien. Comme on dit, pas chez nous, hein, contre le racisme et l'antisémitisme. Hashtag Chris Corleone. Par rapport à... Il est accusé d'antisémitisme. Ouais c'est pas non plus parce qu'il a dit que je ferais un selfie avec Hitler qu'il est antisémite quoi. C'est pas... C'est juste un selfie d'un Jean connu genre. D'un Jean connu. D'un Jean connu. C'était Fabrice Eboué qui a dit ça dans un de ses spectacles. Il a dit désolé pour tout le monde, hein, mais moi je croise Hitler dans la rue, ça fait selfie. Hein. Après, tu vas pas forcément discuter avec, tu risques de le tabasser juste après, tu vois. Allô, Guten Tag. Ah, je suis désolé, moi je le tabasse. Hein. Je prends un selfie avec avant de le tabasser, mais après je le tabasse, clairement. Moi je prends un selfie avant et après. Attention. Mais ça tient lâche trace. Hein. Oh la vache, ok. Ouais. ça fonctionne, attends. Ah ouais, c'est fou, hein. Quoi ce bruit? Je pense qu'il y a une fenêtre. Ah, les plaquettes. Le porte-ski. Ah, c'est le porte-ski? Oui. Ah, j'ai compris, les plaquettes. Les plaquettes. Comment? Je sais pas. McDo? Non. Je m'arrête quelque part là et puis je te laisse monter. La voiture, hein. Salut. Êtes-vous attaché? Non. Ah, il a calé. Alors, c'est qui le passionné entre les deux? Juste que je... Ouais, c'est ça, ouais. Ressens. Non, mais quand on sait pas conduire, on n'essaye pas. Non, ton âme d'assassin, là, tu le rentres, s'il te plaît, t'as à peine démarré, je te sens énervé, tu vois. Déjà, tu conduis comme ça, mec. Démarrage en couche. Il y a quoi? Il y a 2% de pente, un truc comme ça. Tu fais confiance, Bastien? Oh, mais génial, non, on est mort, là. Là, on est mort. Non mais là on est à 120 hein. Bien sûr. Ouais, peut-être calme un peu parce que là il est fou lui. Cette route c'est moi qui l'ai fondée avec mon père mec. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? J'achète. Ça se voit ouais. Donnez-moi l'argent, j'achète. Mettre le clignot parce qu'on n'est pas des... jambons. On n'est pas des animaux. Ouais. La direction est précise, la boîte est assez courte je trouve.
Là, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment tout qui est focus sur ton mode de conduite, etc. Donc, Oh, pas mal. Même pas pensé t'as à ça. T'as compris. J'ai un chaton dans la gorge. Désolé, hein, mais c'est difficile de. Mais de elle... rester fixe. Mais tu sens quand même qu'elle est. Bah, elle est rigide. Bon, là, t'as les suspensions, etc. Comme c'est, Bastien c'est a dit. C'est fait pour ça. Mais là, t'es prêt à bouffer non, des culs. Franchement, c'est fait pour ça. Ouais. Ouais, tiens bien les virages, c'est fou. Ouais, tiens bien les virages. C'est un truc de malade. Je bouge même pas. Pour le prix, mais je pense que c'est difficile de battre ça. Rapport qualité-prix, ça va être très compliqué de battre ça. Par rapport à ce que ça te produit comme mec, je sais pas, je ressens des trucs de ouf là-dedans, tu vois. Passager, quel ressenti c'est même passager, mec, tu ressens. Mal, c'est une violence de ouf en fait. C'est une violence de ouf que tu sens pas en tant que conducteur. Franchement, la boîte est bien. Ouais. Le volant, le volant, il est un peu dur, mais franchement, comme ça, ça te permet de bien centrer la caisse. Après, bordel. Tu tiens bien, quoi, je veux dire, tu vois. Non, franchement, là, j'ai un sentiment de. J'ai pas envie d'aller le parquer, genre. T'as vu? C'est ça. Là vraiment les gars, on a trouvé une voiture mais de fou. Donc merci encore à Bastien, vraiment c'est un ange ce mec, c'est un amour. Non. Ça... On passe devant Abarth, même Abarth il disait c'est quoi ça? Ça fonctionne, hein. Bah ouais, c'est fou. Moi hein. J'aime beaucoup hein. Par contre, tu sens toutes les aspérités de la route, c'est dingue. Ouais. T'as une bosse qui fait 2 mm, t'as l'impression que t'as roulé sur quelqu'un, genre. Excellent d'avoir mis une boîte manuelle là-dessus. Mais là, je pense à la caméra, ils sentent en fait. Parce que j'arrive pas à stabiliser la caméra. Ouais, mais c'est comme moi avant, ce que je disais. Ça remue trop. Bonjour madame, bonne course à vous. J'ai plus envie de sortir. Magnifique, hein. C'est ouf. Franchement, achetez ça. C'est un on va la laisser rouler un petit peu quand même. Ouais. En plus, elle est en vente. Hein. Elle sera en vente, je veux dire. C'est où qu'elle sera en vente déjà? Grob Auto Center. Elle est à 144 000 km et vraiment, elle fonctionne, mais comme si elle était neuve. Quoi. 140 000. Quoi? 144 elle 000. 140 000 km. Putain. J'aurais donné 80 000, même ah, pas. Ah ouais, même pas. Franchement, même pas. Vu l'intérieur, comment elle c'est est propre, ça mec. Je vois très peu de choses à redire. Évidemment, en plastique, c'est pas notre kiff, mais à nouveau, ouais, bon, à ce prix-là, tu fais un choix, tu vois. Le ratio pécunier-plaisir. Il est au top là, il est vraiment au top. Toi tu parles bien, hein. Toi t'as fini tout l'école. Hein. Ouais, j'ai fini en deuxième, maternelle. Travaille à 9 ans quoi. Tu rigoles, à 9 ans ça faisait déjà 5 ans que je travaillais. Okay. Mais oui, j'avais une expérience professionnelle irréprochable. Hein. C'est kiffant de ouf. Hein. Franchement, tu mets ces stickers sur la tienne ou sur la mienne, ça fait vraiment le kéké des plages. Totalement. Alors que là, ça lui va. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement proche. Bah, c'est une voiture de rallye, mec, ça. Pour moi, c'est une voiture de rallye. C'est l'image que j'ai de cette voiture. Là, on a vraiment trouvé une pépite. Hein. Ça, c'est vraiment une expérience. Ça, c'est vraiment. Là, on a vraiment eu un kiff. Merci encore, Bastien. Franchement, on laisse tourner un peu, évidemment, parce que voilà, c'est mieux quand tu l'as pas. C'est moi qui roulais. Ouais, déjà, ouais. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il fait froid. Nous allons rentrer, allumer un feu de cheminée dans une cheminée qu'on n'a pas. On va mettre sur la télé. Oui. Ok, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Semaine prochaine, donc week-end prochain, j'annonce les gagnants du concours Cupra sur mon Insta. Je vais faire une petite vidéo aussi pour montrer les gagnants. Comme ça, ceux qui sont sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Insta, ils peuvent voir. Et puis, je peux tirer les papiers je pense. Ah, tu vas faire comme ça? Ah, mais grave, on peut c'est faire ça à l'ancienne. On se fait une petite vidéo les deux là. Et puis, ah ouais. Vas-y, je suis chaud. On baise. On va faire. Quoi? Hein? T'as dit quoi après? Quoi? Donc voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Gros bisous pour la prochaine et encore merci à Bastien. C'est-à-dire. Ciao. Perfect.